Chers téléspectateurs de Zoé Channel, je vous salue au nom souverain de Jésus. Chers enfants, dans le Seigneur, que la grâce de notre Dieu soit sur vous. Nous avons été au palais des sports de Warda en ce mois de juillet pour le mois de la vengeance de l'Éternel. Tout le mois d'août, Dieu continuera à combattre pour nous. Il faut dire que le mois d'août, c'est le mois de la grande bataille spirituelle où l'Éternel combattra pour nous parce qu'une main a été levée contre le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. J'ai la joie de vous annoncer que le dimanche 29 septembre, nous aurons un grand culte familial, un grand culte de gloire dans les locaux du palais des sports de Warda à Yaoundé. Nous avons été en juillet, Dieu s'est manifesté de façon exponentielle, de façon victorieuse. Nous serons en septembre, ce que nous verrons, c'est la gloire de Dieu que nous voulons voir. Dieu m'a dit de vous dire que le mois de septembre, c'est le mois de la gloire de l'Éternel dans nos vies et dans nos familles. Le thème du mois de septembre, que mes yeux voient ta gloire. Je répète encore ce thème, que mes yeux voient ta gloire. Toute personne soucieuse de la gloire de Dieu dans sa vie ne doit pas manquer à ce grand culte familial. Toute personne qui a prié un seul jour, Seigneur, je veux voir ta gloire, cette personne ne doit pas manquer à ce grand culte familial. La gloire de Dieu veut entrer dans nos familles. Il est temps que nous marchions dans la gloire de Dieu, que nous sortions de l'obscurantisme, de l'ignorance, de l'anonymat, des ténèbres pour marcher dans la plénitude de la gloire de Dieu. Je voudrais m'excuser pour les milliers de personnes qui n'ont pas pu entrer dans le grand hall du palais des sports lors du culte des familles de Jiai et qui ont été obligées de rentrer chez elles parce que mon équipe n'a pas pu avoir les chaises à temps. En fait, on avait les chaises disposées, mais cependant, les voitures pour transporter ont fait faux bond. Donc, je demande pardon pour moi-même et pardon pour mon équipe. Et je promets que cette erreur ne se répétera plus jamais. Je voudrais aussi m'excuser pour des centaines et des centaines de personnes qui étaient obligées à l'intérieur de s'asseoir au sol ou bien sur les escaliers ou sur les gradins parce que les places étaient déjà toutes occupées. Et je voudrais m'excuser comme ça auprès de vous, que le Seigneur ne nous mette point à l'écart de vous et qu'il ne nous mette point à l'étroit dans vos cœurs. Je sais que l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur, est en vous, que vous l'aimez et que vous avez un cœur pour pardonner. Et je sais qu'en parlant, avant de finir même mon propos, moi et mon équipe, nous avons trouvé grâce à vos yeux et que vous nous avez pardonné notre péché. Mais je vous promets que des dispositions ont été prises. Je voudrais aussi demander pardon pour ceux qui sont venus avec l'espérance d'avoir leur stylo ouin, mais qui sont retournés le cœur attristé parce que les stylos ouin ont été achevés sans qu'ils ne puissent entrer en possession du leur. Je vous demande pardon au nom du Seigneur Jésus-Christ et que les compassions de Jésus-Christ tapissent votre cœur et que moi et mes frères et mes sœurs qui forment mon équipe trouvions grâce devant vous. Des prédispositions ont été prises et je vous promets que le 29 septembre, à partir de 9h, stylos ouin seront disponibles. Et je vous promets même que les formats ouin seront disponibles pour toutes ces personnes, ces milliers de personnes qui n'ont pas pu présenter leur plainte à l'Éternel. Et Dieu m'a dit, dis à mon peuple de ne point avoir le cœur chagriné. Le 29 septembre, ceux qui n'ont pas pu présenter leur plainte à l'Éternel, ceux qui n'ont pas pu avoir leur big ouin, les big ouin seront là, les formats ouin seront là au palais des sports de Warda à partir de 9h pour vous et pour votre famille parce que Dieu veut se manifester dans votre vie. Je bénis le Seigneur de ce que vous nous avez pardonné et que nous ne sommes plus à l'étroit dans votre cœur. Je pense de tout mon cœur que le prochain culte, le 29 septembre à Warda, au palais des sports, l'Éternel Dieu vous consolera. Et vos plaintes seront présentées à Dieu. Que le diable ne vous afflige point. Il y a encore une autre chance que le Seigneur accorde à chacune de nos familles qui n'a pas pu se présenter lors du culte familial dernier avec ses plaintes devant l'Éternel. Notre Dieu est bon, il est compatissant et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je voudrais aussi faire une remarque sur quelque chose qui pendant le culte dernier au palais des sports m'a brisé le cœur. De voir quelques personnes se lever et rentrer pendant que l'homme de Dieu était en train de rendre le ministère. Je pense que c'est mal agi
devant l'Éternel. Lorsque vous venez à un programme, qu'il y a un homme de Dieu que Dieu utilise pour bénir votre vie, il ouvre la séance par l'autorité spirituelle que Dieu lui a donnée et il est le seul à refermer la séance par la même autorité. Donc se lever avant la fermeture d'une séance spirituelle, c'est vous quitter avec votre porte ouverte, elle est béante. Donc toutes les proclamations prophétiques, toutes les bénédictions qui étaient les vôtres automatiquement vont s'envoler. Satan entrera dans votre vie, il arrachera, saccagera tout ce qui vous a été donné. Donc, quand on ouvre une séance, respectez la présence des hommes de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un reçoit un prophète en qualité de prophète, c'est-à-dire en respectant le manteau de prophète qu'il porte, alors il aura la récompense des prophètes. Mais si vous ne respectez pas ce manteau, vous ne pouvez pas avoir la récompense des prophètes. J'ai l'habitude de dire que lorsque nous venons, pendant les cultes, c'est pour vous que nous prions. C'est pour vous que nous mettons du temps. C'est à cause de vous que nous suions, que la sueur coule sur nous. C'est pas pour nous, c'est pas pour nos familles, mais c'est pour vous. Donc c'est mauvais et malséant lorsque vous vous levez pour partir, tandis que l'homme qui est en train de batailler vos batailles au nom du Seigneur Jésus-Christ est encore là. C'est un mépris à l'endroit pas seulement de cet homme, mais de celui qui l'a envoyé. Parce que Jésus a dit, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui vous rejette, c'est pas vous qui rejette, c'est moi qui l'a rejeté. Donc celui qui nous méprise, c'est pas nous qui l'a méprisé, c'est Jésus-Christ qui l'a méprisé. Donc je pense que vous avez agi ainsi par ignorance. La Bible dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir, afin que des temps de rafraîchissement leur soient donnés la part du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que vous grandissez dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, pense que cette erreur ne se répétera plus jamais et Satan ne recevra plus jamais la gloire. Dieu m'a dit des choses ineffables. L'apôtre Paul a dit qu'il a vu des choses ineffables, qu'il n'est même pas permis à un homme de parler à propos. Frère, le mois de septembre, le 29 septembre, Dieu veut nous introduire dans sa gloire. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Et la Bible dit que Dieu a manifesté sa gloire dans la vie de Moïse en le mettant dans le creux, lui disant, du creux du rocher, tu ne pourras point voir mon visage, mais tu verras mon dos. Mais la Bible dit que Moïse voyait la gloire de Dieu, mais comme au moyen d'un voile, parce qu'il était obligé de voiler son visage. Mais en Christ, ce voile est ôté. Le 29 septembre, à partir de 9h, oh mon Dieu, nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies, pas de façon voilée. Nous verrons la gloire de Dieu face à face. La Bible dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle avec son ami. Parfois, nous servons Dieu, mais cependant, les hommes ne reconnaissent pas la présence de Dieu dans notre vie. Parce qu'il y a des situations, des circonstances dans nos vies qui ne changent pas. Dieu m'a dit, dis à mon peuple que tous ceux qui seront présents, je descendrai de façon glorieuse et je transformerai les événements de leur vie. Je les introduirai dans l'histoire. Je les ferai entrer dans le panthéon au milieu de leur famille. Ce sera un rendez-vous redoutable, un rendez-vous de puissance et de gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il faudrait dire que le dimanche 29 septembre, c'est le culte de gloire sous le thème « Seigneur, que mes yeux voient ta gloire, que mes yeux voient ta gloire ». Moïse a vu la gloire de Dieu. Daniel dans la fosse au lion a vu la gloire de Dieu. Même ses ennemis ont confessé que Dieu était avec lui. La femme à la perte de sang a vu la gloire de Dieu. Pendant 12 ans, elle souffrait d'un cancer du col de l'utérus. Oh, elle a crié chez elle, comme je vais vers Jésus-Christ. Je sais qu'en le touchant, mes yeux verront sa gloire. La Bible dit, dès qu'elle a touché Jésus, sa maladie l'a quitté immédiatement. Elle a vu la gloire de Dieu. Sa famille certainement a célébré sa guérison à la place de sa mort. Quelle que soit votre situation, quel que soit votre cas, mon Dieu vous fera voir sa gloire. Il est temps que vous voyez la gloire de Dieu. Il est temps que vous touchiez la gloire de Dieu. Il est temps que vous revêtiez la gloire de Dieu. Il est temps que vous goûtiez à la gloire de Dieu. Il est temps que vos yeux voient la gloire de Dieu. Vous voyez, tout démon qui vous a empêché jusqu'à cet âge à voir la gloire de Dieu dans votre carrière, dans votre ministère, dans vos projets, dans vos affaires, dans votre vie maritale, dans votre vie sentimentale, dans votre famille, dans chaque domaine de votre vie, dans votre vie sanitaire, c'est-à-dire dans votre santé. Oh mon Dieu, la gloire de Dieu
explosera dans ce domaine de votre vie. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Dans tous les cas, le 29 septembre, Dieu veut fermer la bouche à tous nos ennemis. C'est fini. Toute personne qui entrera dans le hall du palais des sports de Warda, dimanche 29 septembre, à partir de 9h, Dieu ferme la bouche de tes ennemis. C'est-à-dire, viens seulement avec tes enfants, ne laisse personne à la maison. Viens avec tes enfants. Tu entres, tu t'assois, Dieu ferme la bouche de tes ennemis, c'est tout. Depuis que le Seigneur m'a confié ce ministère et cette grande commission, tous ceux qui ont été auprès de moi ont vu la fidélité de Dieu. Toutes les paroles que l'Éternel, mon Dieu, m'a annoncées, aucune de ces paroles n'est jamais tombée par terre. Dieu m'a dit en vision, voici, j'ai mis sur toi un signe. C'est pour ça que partout tu as été distingué parmi les jeunes gens de ton âge. Dieu est fidèle. Si je vous dis une chose, cette chose arrivera. Ne manquez sous aucun prétexte. Dimanche le 29 septembre 2019, Palais des Sports de Warda. Seigneur, que mes yeux voient ta gloire. Tous ceux qui veulent voir la gloire de Dieu. Dès que nous entrerons, l'Éternel fermera la bouche de tous nos ennemis. À l'heure où je suis en train de vous parler, la gloire de Dieu est en train de se manifester dans ma vie, dans mon ministère, dans ma famille. Parce que j'ai crié à Dieu, Seigneur, que mes yeux voient ta gloire. Et la même grâce est sur vous. Juste en écoutant cette annonce, votre vie ne peut pas demeurer la même. La gloire de Dieu va déjà commencer à se manifester en attendant dimanche le 29 septembre au palais de Warda. Aujourd'hui, la bonne nouvelle de l'évangile, je la prêche en Afrique, je la prêche en Europe, partout où Dieu m'envoie, dans des nations, des endroits où personne dans ma famille n'a jamais mis pied. Frère, c'est la célébration de la fin d'une malédiction. C'est la célébration de la fin d'une limitation. Dieu a brisé une malédiction. Donc c'est ça, voir la gloire de Dieu. Dieu t'amènera où personne n'est jamais allé dans ta famille avant toi. Dieu te fera réaliser des choses que ni ton père, ni ta mère, ni tes ancêtres, personne n'a jamais réalisé. Frère, si tu viens au palais des sports de Warda, le 29 septembre dimanche, pour aller réaliser ce que ta grand-mère a réalisé, ou bien ce que ton père a réalisé, ou bien ce que tes frères réalisent, ce que l'onction de Dieu dans ma vie ne t'a pas touché, c'est que tu n'es pas retourné avec ta portion. Frère, soyons concentrés. Écoutons l'Esprit de Dieu veut nous amener. Il y a des choses que nous attendons. Le simple fait que je prenne l'avion pour aller partout chez les Blancs, leur prêcher l'Évangile, quelqu'un pourrait prendre ça de façon anodine. Il n'y a rien d'anodin dedans. Dieu a brisé une malédiction. J'ai vaincu un démon de limitation dans ma famille. Il y a plusieurs personnes qui m'écoutent. Vous voulez voyager depuis longtemps, vous avez des projets qui ne fonctionnent pas. Vous demandez le visa, on refuse. Frère, il faut la grâce de Dieu même pour le visa. Je ne travaille pas dans une ambassade. Je ne suis pas un ambassadeur ou un membre d'une quelconque ambassade. Mais j'ai Jésus-Christ. J'ai la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai son onction qui brise le joug sur moi. La Bible dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Je crois en une chose. Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Je crois aux promesses de Dieu. Je crois en la Bible. Je crois aux Saintes Écritures. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Même l'ambassadeur pour signer son passeport et lui accorder le visa. Donc, apportez, frère, tous les passeports, tous les dossiers, toutes les familles, tous les parents, toutes les personnes qui cherchent à voyager, qui cherchent à avoir des entreprises, qui ont des projets, qui veulent réaliser, qui font dans les marchés publics, dans les grandes entreprises, etc. Dans votre carrière, s'il vous plaît, apportez toutes les idées, tous les dossiers, tous les passeports. On va présenter ça devant Dieu. On va apporter tout ça devant, on va mettre un grand tapis au centre du palais des sports, on mettra ça là-bas. Et Dieu va se manifester de façon redoutable. La gloire de Dieu se manifestera et la main de Dieu descendra sur nous. Et nous verrons la gloire de Dieu que nos ancêtres n'ont pas vu au milieu de notre famille. Beaucoup de personnes ont demandé comment est-ce que le stylo Ouin doit être utilisé. Premièrement, il faut comprendre que c'est un stylo Ouin. Il est consacré à Dieu. Le nom du Seigneur Jésus-Christ y est invoqué, donc c'est une chose sainte. Et en tant que chose sainte, vous ne l'utilisez pas comme d'autres stylos. Non, le stylo Ouin, vous pouvez l'utiliser lorsque vous faites vos demandes d'emploi. Utilisez ce stylo pour attirer la faveur de Dieu dans votre demande. Utilisez votre stylo Ouin lorsque vos enfants vont faire des examens
Utilisez votre stylo ou un lorsque vous écrivez une demande pour une ambassade. Utilisez le stylo ou un pour votre vie professionnelle dans vos affaires. Donc utilisez le stylo ou un lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose d'important à la répercussion inoubliable pour votre vie. Voilà comment utiliser votre stylo ou un. Donc que les élèves, chacun son stylo ou un. Veillons que nos enfants, chacun, aient son stylo ou un dans son sac qui gardera jalousement. Les étudiants, chacun doit posséder son stylo ou un et le garder jalousement. Et la main de Dieu se manifestera. Vous voyez, frère, le dimanche 29 septembre est un dimanche de restauration scolaire. Dieu m'a dit, ne laissez pas un enfant à la maison. Que nos enfants ne commencent pas cette année scolaire sans être présentés devant l'Éternel, notre Dieu. La Bible dit, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Je bénis Dieu pour l'esprit d'obéissance qui vous est donné. Et pour la perspicacité spirituelle, vous comprenez au-delà de la voix d'un homme. Vous ressentez dans votre cœur que votre Seigneur Jésus-Christ, à travers mon humble bouche, vous donne des rendez-vous pour bénir votre vie, pour redorer votre vie. Qu'aucun parent ne permette à son enfant d'aller à l'école sans passer par le palais des sports de Warda pour recevoir la bénédiction de l'année scolaire 2019-2020. Toutes nos familles, toutes nos églises, partout au Cameroun, ceux qui sont hors du Cameroun qui peuvent voyager, venez de votre pays, frères, avec vos enfants, les présenter à l'Éternel. Il n'y aura point d'échec dans nos familles. On va prier pour 100% de réussite. Chers frères et sœurs, chers enfants, dans le Seigneur Jésus-Christ, à l'école, l'Esprit de Dieu m'a rempli. J'ai été premier sans deuxième. Ça veut dire que lorsque j'avais 15 de moyenne, le deuxième avait 9 de moyenne. Jusqu'en classe de terminale, j'avais 20 sur 20. Le proviseur du lycée de Ngaoundal et l'administration du lycée m'ont convoqué dans le bureau du proviseur pour me demander, dis-nous la vérité, d'où te vient ta sagesse et ton intelligence. Et je leur ai dit, il y a un Dieu dans les cieux qu'on appelle le Dieu de Daniel qui donne la sagesse à ses serviteurs. Le Seigneur m'a dit qu'il répandra sur nos enfants un esprit supérieur, la même grâce qui m'a été donnée. La sagesse de Holiab et de Betsaléel descendra sur nos enfants ce jour lorsque tous les enfants se rassembleront au milieu du palais des sports de Warda et que j'invoquerai le nom de Dieu sur eux et que j'invoquerai la sagesse du Très-Haut. Oh mon Dieu, la sagesse de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego descendra sur chacun de nos enfants. La malédiction de l'échec à l'école sera brisée. Les enfants de la prématernelle jusqu'à l'université, les étudiants viendront. L'esprit du numéro 1 sera sur eux. L'esprit de vitesse descendra sur chacun de nos enfants. Ils iront pour la rentrée étant bénis de l'Éternel notre Dieu. Ils seront la tête et non la queue. Et en outre, hormis la grande sagesse que Dieu répandra sur eux, la protection de Dieu contre les petits sorciers dans les écoles qui volent l'intelligence, qui trafiquent les destinées, la protection de Dieu les accompagnera. Tout camarade de classe, tout étudiant sorcier qui osera porter la main sur nos enfants mourra. Il ne subsistera pas à la prière que je ferai au nom de l'Éternel, mon Sauveur. Le simple conseil que je peux donner à chacun d'entre nous, que personne ne laisse son enfant à la maison. Laisser votre enfant à la maison serait commettre un grand crime devant l'Éternel, parce que l'onction qui sera déversée sur tous les enfants présents sera une onction que je ne sais pas si je la déverserai un jour encore sur nos enfants. Un esprit de supériorité descendra sur nos enfants et dans leurs études, Dieu leur donnera la perspicacité pour une année scolaire glorieuse, pour une année glorieuse dans nos affaires. Quand j'étais à l'école, le Seigneur m'a permis, à cause de l'esprit de sagesse de Betsaléel et de Holiab, Dieu m'a accordé la grâce d'inventer cette écriture qui fait partie de l'une des écritures que j'ai inventées. Dieu m'a fait la grâce d'inventer trois grandes écritures, la Mirage, les Roses et les Canéographies. Et ça, c'est les Canéographies. Et depuis la classe de seconde, depuis l'année 1997, voici comment je prends mes cours. Cette écriture, pour le moment, sur toute la terre, personne ne peut la lire. Je suis le seul à l'écrire et le seul à la lire. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'invention.
Dieu dit, je donnerai à Oholiab et à Betsaleel un esprit d'invention et je les rendrai capables de faire des tâches dont ils n'ont pas reçu une formation. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Dieu répandra sur nos enfants, sur tous les enfants présents, un esprit d'invention. Ils grandiront dans leur domaine, ils seront grands dans cette nation. Partout ils iront, personne ne battra les enfants qui seront présents au palais des sports de Warda. Dimanche le 29 septembre à partir de 9h. Ce sera un culte de gloire pour une année scolaire glorieuse. Pour une année glorieuse pour chacun de nous. Pour ouvrir la porte de la gloire de Dieu dans votre vie, dans votre famille, dans vos entreprises, dans votre carrière, votre vie sentimentale. Votre mariage ne sera pas comme celui de vos frères. Ce sera un mariage glorieux. Vos affaires, quand vous ferez votre business, quand vous ouvrirez votre affaire, elle ne sera pas comme celle de ceux de votre famille. Ce sera des affaires glorieuses. Dieu se manifestera de façon exponentielle et la main de Dieu ne se séparera plus jamais de vous. En outre, l'Éternel m'a dit de vous recommander, prenez même les enfants de vos voisins, venez avec eux, racontez autour de vous les bienfaits de votre Dieu. Ne gardez pas le témoignage pour vous seulement. Passez l'annonce autour de vous, chez vos amis, appelez vos amis, vos membres de famille, invitez vos cousins, invitez vos cousines. Dites-leur qu'un phénomène aura lieu dans la ville de Yaoundé dimanche le 29 septembre au palais des sports de Warda à partir de 9h. Venez avec tous les enfants, consacrons-les à l'Éternel. Nous-mêmes, en tant que parents, nous serons consacrés à Dieu dans nos projets. L'Éternel ouvrira les portes fermées de nos vies et la gloire de Dieu marchera devant nous et nous marcherons dans la gloire de Dieu. Le Seigneur m'a dit, tu diras à mon peuple que le 29 septembre, c'est une occasion de célébration pour venir célébrer la vengeance que nous avons eue de l'Éternel face à nos ennemis. L'Éternel nous a vengés. Il nous a rendu justice de la partie adverse. Nous viendrons le 29 avec le témoignage. Tu as posé tes plaintes devant l'Éternel. L'Éternel t'a exaucé. Tu as vu l'intervention de Dieu dans ta vie. Tu as reçu ton miracle. Tu as reçu ton témoignage. Ne reste pas à la maison. Viens sceller ce témoignage pendant le culte des familles du 29. Ce sera un culte de témoignage, de joie, de célébration et d'allégresse devant l'Éternel, notre Dieu. La Bible dit, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Donc à cause de ce que Dieu a fait, ne reste pas à la maison. En témoignant, tu scelles la vengeance de Dieu dans ta vie. Et désormais, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek dans ta vie de génération en génération. Venons rendre témoignage. Dieu t'a guéri, viens rendre témoignage. Dieu t'a délivré de la sorcellerie et des sorciers qui couraient après ta vie, viens rendre témoignage. Dieu a sorti ta vie de la destruction pour t'amener dans la restauration, viens rendre témoignage. Quel que soit le miracle et le signe que Dieu t'a donné, en exaucant à tes plaintes, nous rendrons témoignage devant Dieu. Nous dirons, Seigneur, voici la plainte que je t'ai présentée et voici, tu m'as exaucé, tu m'as visité, tu m'as fait du bien, tu m'as répondu, tu as répondu à mes enfants. Seigneur, je viens te célébrer pendant ce grand culte de gloire, un culte de gloire où la gloire de Dieu entrera dans ta vie, où la honte cessera et désormais la bouche de tes ennemis sera fermée. Ce sera un culte inoubliable où l'Éternel t'introduira dans l'histoire, dans ta famille. Les gens verront la gloire de Dieu. Les gens quitteront de partout, des coins et des recoins de ta famille pour venir dire, nous avons appris ce que l'Éternel t'a fait. Nous avons appris que ton Dieu a changé ton histoire. Oh, tiens-nous la main et conduis-nous jusqu'à la maison de ton Dieu. Nous voulons qu'il change, qu'il transforme aussi notre histoire. Il faut dire que ce sera un culte glorieux, un culte de guérison, un culte de restauration, un culte de prophétie, quelle que soit ta maladie. Frère, nous avons vu des centaines de malades être guéris, sans même que je ne les ai touchés. Que se passera-t-il donc quand la ligne de prière sera ouverte? Lors du culte passé au palais des sports de Warda, je n'ai pas eu l'occasion de toucher les malades, mais je pense que pendant ce culte, nous nous efforcerons à toucher les malades, le maximum de malades possible. Donc, prenez votre papier, inscrivez-vous à la ligne de prière pour les malades. S'il vous plaît, c'est gratuit. Inscrivez-vous et je mettrai la main sur vous. Et la gloire et la grâce de Dieu se manifesteront. Il est temps que vous ressentiez la gloire de Dieu dans votre santé. Votre cancer va disparaître, le VIH va disparaître, les hépatites vont disparaître. Quel que soit le nom de votre maladie, vous n'arrivez pas à marcher. Cette maladie va vous quitter, vous allez marcher, sauter au palais des sports de Warda, comme c'est arrivé
le mois où nous avons été là-bas. Vous êtes aveugle, vous n'entendez pas, vous ne voyez pas. Votre cœur est malade, votre cerveau est malade, vos poumons sont malades, vos intestins sont malades, le foie est malade, le pancréas est malade. Quel que soit l'organe en vous qui est malade, cet organe sera visité par la gloire de Dieu. Il est temps que votre santé connaisse la gloire de Dieu. Que Dieu vous revête d'une santé glorieuse. Tout ce fait dans la vie ne marche pas. Vous êtes bloqué à gauche, à droite, devant, derrière. Il est temps que la gloire de Dieu entre dans ton petit commerce, au marché Sos, ou bien au marché Mokolo, ou je ne sais plus où. Il est temps que la gloire de Dieu entre dans ton business. Tu fais dans le marché public, rien ne marche. Dieu veut introduire la gloire dans tes affaires, dans ton business, et tu sauras que Dieu m'a suscité comme un prophète parmi ses serviteurs dans cette nation. Il faut dire que ce sera un service de ouint, gratuitement donné à chaque famille, même si vous êtes combien, frère. Dieu veut se manifester. Venons tôt. L'eau ouinte sera là pour notre guérison. L'huile de faveur pour la consécration à Dieu. Cette huile dira à l'Éternel, à l'Éternel, à l'Éternel. Et personne ne te touchera plus. Personne ne touchera à ce qui t'appartient. Tout ce que nous ferons, tout ce qui nous appartient, Dieu menacera le dévoreur, Dieu menacera le dévastateur, Dieu menacera la sorcellerie et le sorcier. Dieu nous délivrera des liens et des chaînes par lesquelles le diable nous a enchaînés, encadenassés. Frère, c'est un jour de grande fête. Je vous invite à cette fête de l'Éternel. Ne reste pas à la maison. Ne dis pas, je suis découragé. Mon cas n'a plus de solution. Oh, je suis allé dans les églises, il n'y a pas de solution. Chez le marabout, il n'y a pas de solution. Venez, il y aura une solution pour vous. Jésus fera lui sa face sur votre vie. On en modo heritami, on de l'arami, on de nyawa, ou seni, ware. Allah dit mon nyamdugo. Oidim barjari mako wonandermon oidim mangu mako dipadomon kon wattafu yata yesu ngabe sirimon gabe happy chinde mon be happy chinde bikoimon useni tata on manka palais des sports warda dimanche 29 septembre 9h jamdin jenai fajira on wara on dubbe kati ware law gamo heba babal bonum jemitabi mon memo go hamitabi mon larugo on wara on law on wara be bikoimon ta acce bikoya sare gamin toran je l'école mabbe. Allah hokka mon dalila, Allah hokka mon jamu, Allah hokka mangu, Allah hokka famu, habi kwe jamin pat, halekolo kalakara majo mo tami warugongam o wudja, famu pingel ma o mayan, sam, o mayan man, kankon tefi, kankon tefi, esaye isare mako ate famona, kala mo tefi pingel ma fu, mayan, mi watan yebam, huile de faveur, Allah min domako, Allah hokkan be, famu halekolo, be urtan premier, God me fu bedo yeso biko matama wonu go baaw fay e kala mo shiri bingel ma pat shiri mako hotan to mako kala nyawja do marde bandu ma pat alla tammi ittu go nyawman a hotan sare ma benjamin dollara min do torra do imbe je yata bedo ya imbe je lara ta jero wumi je do fumi bedo lara imbe je nana tano ngam che dan sukki no noppi mabbe alla do mabita noppi mabbe bedo nana. Himbe je don no wada lumo lumo ma yata yeso do banto kambe kam do wari do fugo himbe fere Allah hokki be dala dalila en jamu min do yetta Allah ko do wada yeso amin ko do wada de famiji amin min do yetta inde Isa al-Masihu e mi do yetta mo onon bo o ngam on do nuddi niyam on do wadi niyam confiance on do wadi confiance do linjila je mi do wati na on e on wari on lari ko Allah do wada ton ta jode asare. Malum en nafata amin on do fama malum nafata idan do ya malum do ko dum hokkimon wala ko hokkimon on fondo andi ko ngabani wara bi to rainde Isa al-Masihu o tammi mon nyamdu o wadan ton ya yeso o mabitan damu de je dan mabbi de yonki mon pat on andan Isa al-Masihu neliam der yonki mon. Je voudrais que chaque famille, chaque parent prenne au sérieux l'offrande de consécration familiale à l'Éternel notre Dieu. Frère, nous sommes un peuple à part. Nous sommes une race à part. L'apôtre Paul a dit, nous sommes de sa race. Nous sommes de la race de Jésus-Christ. Nous avons un Dieu que nous voulons honorer. Nous avons un Dieu à qui nous donnons l'adoration. Un Dieu à qui nous disons, Seigneur, nous t'appartenons. Shema Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu. L'Éternel est un, il est le seul Éternel. Préparons-nous, frères, pour le 29, chacun avec son offrande de consécration familiale. Ne te présente pas les mains vides, même si c'est combien. Cette offrande te consacre à Dieu.
Cette offrande dit, moi et ma maison, nous appartenons à l'Éternel. Le nom de l'Éternel est invoqué sur nous. Et je ne présenterai plus jamais mes offrandes au marabout. Je ne présenterai plus jamais mes offrandes aux divinités de ma famille, aux pierres, aux crânes, aux sabres, etc. Mon offrande à l'Éternel, j'appartiens à Dieu. Le sceau de l'Éternel est sur moi et ma famille. Satan ne peut plus toucher à ma famille. La sorcellerie ne peut plus toucher à ma famille. La maladie ne peut plus toucher à ma famille. La malédiction ne peut plus toucher à ma famille. L'échec dans la vie et la honte ne peut plus toucher à ma famille. Voilà ce que l'offrande de consécration familiale dit devant Dieu à ton sujet et au sujet de ta famille. C'est une chose sainte. Prenez le temps, ne faites pas ça à la va-vite, comme si Dieu était notre garçon de course ou bien s'il n'avait pas de valeur. Notre Dieu est grand. Il a créé l'univers, les mondes, les terres, les planètes, les comètes, les astéroïdes, etc. Donc craignons le nom de l'Éternel. Prends au sérieux ta vie, ton avenir, celui de ta famille et de tes enfants. Donc prenons le temps, préparons une bonne offrande familiale à notre Dieu pour ce grand culte, ce grand événement, cette grande fête à l'Éternel, ce culte de la fête à l'Éternel, sur le dimanche de la gloire de l'Éternel, où Dieu vient mettre la gloire, où la honte s'arrête, les pleurs s'arrêtent, la déception s'arrête, la calamité s'arrête, la maladie s'arrête, la malédiction s'arrête. Nous entrons au palais des sports de Warda dimanche le 29 septembre à partir de 9h pour célébrer Dieu, pour célébrer, adorer notre Dieu, l'élever, chanter des cantiques nouveaux vers lui et dire: Seigneur, la louange te revient pour l'éternité. Comme vous vous préparez, quand vous venez, que la main de Dieu soit sur vous, au nom souverain de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.